Je m'appelle Mickaël Lelouch, j'ai 45 ans, je viens de Paris et je suis collectionneur d'affiches depuis environ 21 ans, 1997. Un de mes premiers rêves, comme beaucoup d'enfants, c'est d'être archéologue. Et finalement, je m'aperçois que l'affiche en elle-même contient de l'histoire. C'est un morceau d'histoire. Et en même temps, comme c'est un objet, il y a vraiment cette idée d'archéologie. Ça a survécu. Pour moi, l'affiche raconte vraiment l'histoire par l'objet. Sur l'affiche contestataire en tant que telle, plus que la contestation même, il y a aussi cette idée que les affiches ont été des outils. Et ça, on l'oublie. Parfois, on les regarde comme un élément de décoration ou une simple œuvre plastique, parce qu'elles ont été fabriquées dans des ateliers par des gens qui avaient une vraie culture artistique parfois. Mais il faut comprendre que c'était des outils. Elles étaient là pour dire quelque chose, pour combattre. Elles ont accompagné des luttes, elles ont été brandies dans la rue par des ouvriers, par des étudiants, par toutes sortes de gens. Quand je dis outil, il y a même le côté arme qu'il faut comprendre, mais une arme pacifique. Cette arme-là, elle contient toujours une forme de puissance qui reste là, contenue dedans. Et pour moi, en fait, avoir collectionné les affiches contestataires, c'est un petit peu comme posséder le glaive de Spartacus. Tu vois, il y a un peu de cette idée-là. Clyde, with the intended route of your march, I'm asking you to clear this intersection or face the consequences.